Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un petit moment d'absence sur Fallout 76 pour une astuce fort sympathique puisqu'il s'agit de farmer le bois. Alors pour ça, vous aurez besoin d'aller au camp de l'exploitation forestière Sylvie et Fils qui se trouve ici. Vous mettrez un marqueur à cette destination personnalisée. Donc on voit que c'est bien à l'est de la carte par rapport à l'abri 76 qui d'ailleurs est tout pile poil à l'est. À cette position-là. Donc une fois que vous serez ici, vous allez voir qu'il y a des tas de bois que vous allez rassembler et ça va vous faire récupérer du bois. Alors on va le faire, vous récupérez tout, vous passez bien à côté de tous les tas de bois et vous voyez amas de bois qui grimpe dans l'inventaire tout simplement. Voilà, il y en a même dans la voiture qui se trouve ici. Alors, un tas de bois. Normalement, il y en a encore, voilà. J'avais jeté tout le bois que j'avais dans mon inventaire pour justement vous montrer combien je vais en avoir une fois que j'aurai fait tout ça. Et je vais vous expliquer comment on peut farmer tout simplement cette petite cage de bois. Ok, on va dire que j'ai tout récupéré, admettons. Voilà, vous allez dans l'inventaire et on va voir qu'effectivement, j'ai 154 bois. Alors, comment on fait? Eh bien, vous allez tout simplement quitter la partie. Vous déconnectez totalement du serveur. Quitter, revenir à l'écran principal, voilà. Ensuite, on n'aura plus qu'à retourner sur le jeu, forcément. Et c'est ce que l'on va faire dans quelques instants. Donc on va mettre une petite avance rapide, hein, parce que là, ça va être un petit peu long, le temps de tout relancer, hein. Nous voici revenus au campement, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle? Je sais déjà même plus comment ça s'appelle, c'est super. Le camp de l'exploitation, pardon. Donc on est de retour. Ah oui, alors il y a des ennemis quand vous arrivez ici. Vous avez la chance d'ailleurs de tomber sur un ennemi légendaire. Hein. Donc ça peut être assez intéressant. J'ai recommencé 3 fois à relancer le serveur et sur les 3 fois, 2 fois j'ai eu un ennemi légendaire. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Et voilà, encore un animal légendaire. Alors lui, il me donne rien d'intéressant à part un Radaway. Ok, donc nous allons retourner sur nos tas de bois. Et on voit qu'effectivement, on peut recommencer à rassembler du bois. Alors vous pouvez récupérer à nouveau du bois autant que nécessaire, autant que ça vous plaise d'ailleurs, parce que bon, après c'est surtout pour les constructions, hein, vous pouvez même pas revendre le bois, hein, ça pour ça, on va pas se faire d'idée, on ne peut pas revendre le bois, ça n'a aucune valeur. Alors, on récupère, voilà, tas de bois, donc j'en avais 184 je crois, ou 154, un truc comme ça, juste avant, et là... Si on retourne dans le bric-à-brac, voilà, j'en ai 310. Donc vous pouvez farmer le bois comme ça à cet endroit si vous en avez besoin. Et puis voilà, après je vous laisserai visiter de vous-même un petit peu ce qu'il y a dans le coin, parce qu'il y a des ressources à récupérer. Alors ça peut être intéressant également. Donc du coup, bah, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Pour ma part, ce sera tout. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon amusement ou un bon divertissement en fonction de ce que vous faites. Et je vous dis à la prochaine vidéo.